On va essayer d'expliquer comment on plante des pommes de terre. Voilà une pomme de terre idéale, c'est-à-dire la dimension d'un œuf, environ 70 grammes. Vous voyez? Très bien. Sinon, si vous avez des patates, des pommes de terre, grosses comme celle-ci-là, c'est pas la peine de planter cette grosse-là, c'est inutile, ça sert à rien du tout. C'est inutile. Vous coupez les pieds, vous la coupez, comme celle-ci, en trois petites, en trois morceaux, en trois parties. Une coupure ici, deuxième là, et vous avez trois morceaux de pommes de terre prêts à planter, c'est-à-dire un peu comme ça, vous voyez, avec un morceau ici qui commence à pousser, soit ça, et toutes, elles sont coupées, et vous laissez juste la racine qui sort avec un petit bout, c'est-à-dire l'extrémité. Toutes celles-ci, elles sont prêtes à planter. Par contre, le reste de la pomme de terre, c'est pas encore poussé, il n'y a rien qui pousse. Si, il y a un petit bout ici, bon, il faut le laisser encore un tout petit peu, ça tira environ 2-3 cm au bout d'une semaine, et elles seront prêtes à planter celles-ci aussi. Voilà. Regardez là. Hein? Bon, c'est là, on peut dire qu'on peut l'implanter, mais on attend un peu pour que toutes les pommes de terre soient prêtes. Voilà. Et une fois coupées les pommes de terre, vous les plantez et on verra ça par la suite, comment il faut les planter. Alors, la préparation du terrain. Voilà. Comment ça se passe? Alors, un petit conseil. Entre les deux lignes, c'est-à-dire entre celle-là et celle-là, il faut environ 70 cm. Vous voyez? Deux. Alors, vous mettez en fonction des pommes de terre que vous avez à mettre, vous préparez votre terrain. Donc vous mettez ici 70 cm à chaque ligne. Et après, vous allez voir, vous allez mettre des pommes de terre, des patates, 30 cm, une là, entre elles, 30 à 40 cm. Alors voilà, pour l'instant, c'est le terrain, préparation du terrain. Et puis après, vous allez voir comment on plante des pommes de terre. Voilà, bricolage fait maison. Voilà, c'est pas la peine d'acheter des outils, vous les faites vous-même si vous bricolez et vous les faites vous-même. Vous mettez vos pommes de terre à une distance environ comme celle-là, comme vous voyez là, c'est environ entre 30 et 40 cm, c'est bon. Vous voyez, avec les racines qui poussent vers le haut, là, les petites pousses ici, comme celle-là. Voilà. Et vous les couvrez environ 8-9 cm. Tout dépend s'il fait trop froid, vous mettez 10-12. Comme aujourd'hui qu'il y a du soleil, je le mets à environ à 9 à peu près. Voilà, et vous les couvrez. Voilà, vous mettez environ 2 cm, c'est bon. Vous les couvrez avec de la terre et vous attendez une semaine environ, parfois deux, tout dépend, à avoir des feuilles. Voilà. 2 semaines après, voilà les premières feuilles qui pousse. Alors, à partir de maintenant, ça va aller assez vite. Vous allez voir partout, ça va pousser. Si je tout au long, il y aura des feuilles en ligne.